Viper somehow activates unused DNA. The body starts to burn calcium from the skeletal system as fuel, hence the victim's cravings for milk and cheese. They're desperately trying to replace the missing calcium, but they can't consume enough. Ce qui est très cool, parce qu'il y en a beaucoup plus dans les amandes que dans le lait. Mais les ailes, ils sont cons, ils ne le savent pas. Then they suffocate and die. There'll be mayhem, that's for sure, but it's scale on scale mayhem. If we keep the decent citizens indoors for a couple of weeks, let the scumbags have at it, voila, the end of crime. Yeah, that's a nice thought. But no. This stuff seems hard to make, no? The best is Wellzyme. But this is not them. They're a subsidiary of Wayne Enterprises, multi-billion dollar corporation. Ooh. Why would they be doing this? Walking Dead. Fascinating. Maybe doors, cameras, Tu inhales le truc. Ça te bouffe ton calcium. Oui, et du coup, ça prend le calcium comme nutriment pour tes muscles. En fait, ce qui renforce tes muscles en affaiblissant tes os. I know a janitor who runs the boiler room of the casino. He could get you inside quite easily, I believe. Au niveau comique, ça se tient. Mais du coup, c'est pas vraiment un prototype. C'est pas du Venom. Voilà, vraiment le premier prototype tel que la machine de Alan Turing était le premier prototype de l'ordinateur, quoi. Tu vois. You don't like that. You come off as all humble, but you got a little player in you, huh? That's very perceptive of you, sir. I guess that's why you're the Don. I'm not a dishwasher. Comment je blaire pas, quoi. And this isn't my first rodeo, so to speak. Well, my real name is Oswald Cobblepie. Mm-hmm. And I think that once you hear my story, you'll agree that I could be a great asset for you, sir. Mm. It's a long, funny story, really, but the headline, just so you're not surprised, I used to work for Fish Mooney. Fish Mooney? Hey. Yes, sir. I was privy to many aspects of the Falcone family business until they tried to kill me. Hello. Ooh, this is a smile. That is a funny story. Wellzyme has no connection to this tragedy. We will vigorously pursue legal action against any individuals making assertions to the contrary. Attends, t'étais prêt à attaquer en justice la police pour enquêter sur vous? Okay. It's Stan Butelski. He worked for us for several years as a biochemist. Et il s'est barré. Stan Butelski is a brilliant man, perfectly capable of building his own lab. But you are more than welcome to examine our facilities. Oswald Cobblepie. Yeah, him. Johan qui sauve la vie au pingouin, c'est un concept que j'aurais pas pensé. Quatre fois, hein, ça, je sais pas combien de fois qu'il lui sauve la vie, mais... Non, enfin, en soi, c'est la deuxième grosse fois. Ouais. Par contre, ça va être un festival avec Montoya. Et maintenant, il fait un truc aussi pour Maroni. Mais t'as pas une vie à faire, t'as pas des enquêtes à mener, à part non, sur ma vie. J'ai envie de récupérer ta nana. Welcome. I'm Salvatore Maroni. I know you are. What do you want? Salvatore, it is the bon nom italien. Tell the truth. I'm having a Negroni. So good with seafood. Water. Amélie, notre meilleur millésime d'eau. So a friend here told me a fascinating story. Never heard a story so good. It's hard to believe it's true. It is, it's true. Shut up! Shut up! One more word and I'll jam this down your throat. Slow down, Mr. Maroni. I don't know you. No, no, no. You let me finish. You'll have your turn to speak. I want you to tell me the same exact story that Penguin told me. What story is that? You better know what story, my friend. Be
Because if you tell me the same story he told me, then I could believe it's true. Then I'm happy. But if you tell me another story, then someone's lying to me. And I don't know which one, and the both of you will die. Understand? C'est pas cool, yeah, comme, okay. Comme stratégie. So. Il était une fois un petit gros italien. Somebody murdered Thomas and Martha Wayne. My partner and I caught the case. We didn't even know each other. What then. Did I say? Go put him on the slicer. No. I don't like what I hear. Slice his face, prosciutto. Well, I'm sorry. I was a pawn in a conspiracy between Falcone, the mayor, and the GCPD to frame Mario Pepper for the Wayne murders. Toujours Mario Pepper. With the help of Fish Mooney, Mr. Cobblepot's employer at the time. To prove that I wouldn't betray the conspiracy, Falcone ordered me to kill Cobblepot. I didn't do it. I let him live. And here we are. Falcone, Mooney, the MCU cops, none of them know he's alive. They did, I'd be dead already. It's delicious. Frankie! Bring the penguin back out here. The little punk is telling the truth. There you are, you rat, you snitch. You gorgeous turncoat son of a bitch. Come here, I love you. Mwah! Be happy, Frankie. We just got a brand new weapon against the Falcones. It's Christmas. Oh, keep all this hush-hush between us pals. And if I need you again, I'll call you. Je suis pas ton chien, là. Did you buy alcohol? You do that. Thank you. Get you, come on. Let's get you cleaned up. Look at you, come on. Allez, je t'ai juste voulu te mettre dans le hachoir. Allez, viens. I love you, baby. Allez. Ouais. I love you, baby. D'accord, ok. I love you, baby. Okay, now you're still putting too much sex on it. Keep it clean, like a mother. I love you, baby. I love you, baby. Elle chuchote le truc. Better. On recharge, on recharge, on recharge. De toute façon, j'ai une deuxième bouteille dans le garage. RAF. Aujourd'hui, c'est jour de fête, comme dit Maroni. C'est ça. Et il a pas filé son verre d'eau en plus à Gordon. Oh, il a pas filé son verre d'eau. Mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit là? Criminel. Franchement, j'aime bien Maroni. Il me. Oui, en fait, il est fandard en fait. Maroni me fait marrer. C'est un Robert Mathieu en fait, de Game of Thrones. Je préfère Maroni. Enfin, si tu veux Falcone, c'est Tywin Lannister. Maroni, c'est Robert Baratheon à ce niveau-là, tu vois. C'est ça. Mais Robert en plus rageux avec Tywin qui est déjà sur le. Qui rigole quand même beaucoup moins. Ouais. Par contre, quand il rigole, il fait craquer la chaise, c'était quand même magnifique. Hein. Bon, allez. On retourne sur la scène bizarre. Ouais. T'imagines Maroni qui inhale le Viper. Now about your hair. Ok, ça servait pas à grand chose cette scène, mais bon. Pour montrer qu'elle lui apprend à draguer. Même si on est complet. Where the hell have you. Hey. What do you think about this? Looks like a friend, no? Ce serait marrant que la série. Après, le premier truc qu'il trouve, c'est un indice. Hein, Bah, classique. Non, par contre, ce qui serait par contre que la série finisse au moment où Barbara annonce qu'elle est enceinte. Un truc comme ça. But yes, I know Stan. He was a student of mine. Et c'est là, Barbara Gordon n'est pas la fille de Gordon. Stay in touch. Well, Zahn said he made shampoo. Where are the dark moral corners in that? Shampoo? They say that. Ooh. No, no. Stan designed pharmaceutical weapons to be used by combat troops. Drugs that worked on an epigenetic level. Imagine an army made up of soldiers so strong that they can tear a man apart with their bare hands. Of course, at the beginning of the war, they essayé de faire des bains en masse. But Viper was the first batch. They worked out premier look. In the second version, called it Venom. By then, Ben required some clarity. Ping. The Thomas and Martha Wayne. He convinced them to shut it down. And when they died, Wellzine immediately revived the program with the blessings of Wayne Enterprises. In the end, there was nothing for Stan to do but to resort to more radical measures. Killing people.
I'm not hearing a sense of moral outrage, Professor. You planned this with Podolsky. Yes. Where is he? Talk fast, bub. Oh, what are you going to do to me? I'm an old man. I'm dying. I'll help you die quicker, you terrorist. Soon Stan will issue a statement the world won't be able to ignore. You said you had an appointment, right? Where are you going? Bravo! You've asked the right question. C'est le père du Riddler ou... mon arthrite. Non, blague à part, je veux dire, c'est un vieux, le truc de défoncer les os. Le mec, il peut pas l'utiliser plus de 2 secondes, hein. Everyone will finally see them for what they are. How? Where's Podolsky headed? What's altruism? Charity. I know where he's going. Ah oui, il va essayer de défoncer la soirée. Mm. C'est quoi l'altruisme? J'adore la tête de Gordon à ce moment-là, quoi. C'est vraiment le mec sérieux. Alors par contre, remettre ton gros logo sur le bidon, enfin ok, tu veux pas le paumer, mais quand même. Pourquoi t'as un bidon avec marqué en énorme Venom? Avec du caducé. Donc ils ont introduit le Venom. Ouais. Mais donc les Wayne ont accepté l'idée du Viper et du Venom. Non, we're middle management. Après ils ont dit, ils ont redémarré le programme avec la Venom. Ah. Turn it off or I'll shoot. Sinon je tire un bidon. My work is done. Oh. Oh la vache. I'm leaving now. Go look in warehouse 39. You're not going anywhere. I can go anywhere I want. Don't do it. Que j'appelle avoir aucun pouvoir. Ok. Bon bah cette scène de mort était un peu nulle. Donc du coup on sait pas si... Il s'est pas échappé enfin... Ouais il est mort. Il s'est écrasé comme une merde et puis il est mort. Oui c'est vrai que ces os là ça devait être à peu près aussi solide que du chavalot à ce moment là mais... Putain il... Lui, lui il nourrit les pigeons tiens. Ça y est, c'est... Falcone. Maria. Une femme. Non. Ce Pokémon existe. C'est sûr. I couldn't help but overhear that aria you were humming. Oh, yes, it's my favorite. Mine too. Ah, well, there you go. I'm sorry, I didn't mean to bother you. No, on va quand même faire le connaître. My mother sang that to me when I was young. Her whole life she sang that to me. I had to smile because you look... That's nice. Anyhow, sorry, I'm rambling on. Non, je pensais surtout bah ça te balance aux souvenirs les plus enfouis en fait. Oui, mais c'est ça en fait qu'il aime bien. Ouais, c'est les nanas qui ressemblent à sa mère et qui le traitent comme si elles étaient maternelles. Pas sa mère, mais maternelle. Non, mais c'est presque ça. Ouais. C'est quand même dégueulasse. Psychologiquement, c'est juste un peu plus poussé que beaucoup. C'est un complexe d'Oedipe qui a pas fini. Ouais, c'est ça. Mais psychologiquement, c'est très répandu. Hein. Les gens qui sont attirés par qui ils rappellent leurs parents. Je dis pas que c'est pas répandu, mais à ce niveau-là, c'est. À ce niveau-là, oui. Oui, mais après, c'est aussi parce, peut-être aussi parce qu'il est très vieux que je veux dire. Tu passes ta vie. Bien, 5 coups a été vu par Manhattan. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, Manhattan, c'est un méchant de Batman. Ah, ah oui, je t'appelais fou. Oui, ça me tue. Alors, du coup, Viper, c'était une drogue. Voilà, l'ancêtre du Venom. Le Venom qui sera utilisé plus tard pour créer le bon vieux Bébane qu'on connaît bien. Voilà. Au passage, évidemment que le guitariste du début ne pouvait pas être Bane, puisque Bane, pour rappel, est dans une prison mexicaine pendant la plupart des années de sa jeunesse. Bah, toute sa vie, en fait, parce qu'il est né dans cette prison. C'est ça. Et au passage, c'est déjà un colosse, rien qu'en sortant, rien que sans le Venom. Hein, c'est... Pas tellement, hein, c'est un mec à peu près skinny, hein, tu regardes. Ah, je sais pas, moi je l'ai souvent vu assez baraqué, peut-être pas non plus. Non, ça c'est dans les versions réalistes. C'est dans les versions réalistes où le Venom c'est juste un stimulant. Un booster, d'accord. Tandis que là, en fait, dans les versions comics, c'est un mec, il est fin comme un petit doigt. Ah, d'accord. Mais il est déjà très balèze et très dangereux. Et il est surtout très intelligent. C'est surtout ça. C'est quelque chose qui est complètement foiré, Batman et Robin d'ailleurs, c'est le côté extrêmement intelligent de Bane. Et d'ailleurs, pourquoi Bane est un personnage extrêmement connu du lore Batman, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Bane, c'est pas que parce que Batman et Robin c'est nul, c'est pas que parce qu'il a été joué par Tom Hardy dans Batman Dark Knight Rises, qui le jouait d'ailleurs vachement bien.
c'est parce que c'est le seul méchant à avoir brisé la colonne vertébrale de Batman. Et heureusement, parce que si chaque méchant l'avait fait, ça aurait été un peu compliqué. Oui, mais c'est le seul qui l'a techniquement vaincu au combat. Voilà. Véritablement au combat à main nue, YOLO, quoi. Et donc voilà, il y a toute cette fameuse scène hyper connue de Bane en train de briser Batman sur son genou. Et Batman qui a une convalescence monstrueuse, mais qui s'en remet quand même, probablement grâce à la technologie du Lucius Fox qui a aidé un peu. Alors ça, c'est dans les comics, après on a la version de Dark Knight Rises qui est un peu plus édulcorée. On te donne un petit coup dans l'arrière du dos, on te suspend, et puis voilà, Et puis après tu fais des pompes et toutes tes vertèbres se remettent bien. C'est ça, non mais pour info, j'ai plein de gens qui ont des problèmes de dos dans mon entourage. Je pense qu'il serait très preneur cette méthode si elle marchait vraiment. Un grand coup de masse dans le dos et c'est bon. Bref, du coup, donc Bane est un des personnages les plus connus du lore Batman. C'est peut-être, je crois, il est dans le top 10 des personnages les plus en vue. Et c'est le plus récent de ce top-là d'ailleurs, je crois. Parce que Bane est arrivé assez tard. Hein. Je crois qu'il n'est pas arrivé avant les années 70, si c'est pas 80. Hein. Je sais plus exactement quand est-ce qu'il est arrivé, je peux vérifier si tu veux. Ouais. Dans les ennemis les plus récurrents de Batman, on a le Pingouin, le Joker, Catwoman, le Riddler, qui sont déjà 4 qui datent d'avant les années 60. L'Épouvantail aussi. L'Épouvantail qui est apparu... 93, il est apparu. Bane ? Ouais, j'en ai 93. Voilà, donc vraiment, il a apparu après ma naissance, hein, c'est très long. Bane est même apparu, du coup, après Harley Quinn. Qui est apparu en 92. C'est ça, j'ai l'âge d'Harley Quinn et j'ai un nom de plus que Bane. T'as l'âge d'Harley Quinn, hein ? Ouais. Oh la vache. What ? Alors, on a dit Joker et Mr. Freeze. Mr. Freeze, c'est vrai. Poison Ivy, Double Face. Ouais. L'Épouvantail, le Riddler, Harley Quinn maintenant. Harley Quinn maintenant. Killer Croc, pas tant que ça. Le Pingouin, j'avais oublié le Pingouin là, moi personnellement. Ouais, c'est toi, tu l'avais cité, moi j'avais oublié. Il y a Bane maintenant, du coup, et Ra's al Ghul, je crois. Oui, c'est vrai. Puisque c'est son beau-père. Mais de manière générale, de toute façon, à un moment donné, je pense qu'on va vous faire une vidéo avec en vous listant tous les méchants. Parce que comme ça, au moins, vous serez au clair sur qui fait quoi dans la série. C'est ça, ou alors on vous renvoie à celle de Link the Sun qui en a fait une très bonne sur les méchants de Batman d'ailleurs. Non, il a fait sur les méchants en général. C'est juste qu'il a cité énormément de méchants de Batman, mais il a cité les méchants de DC Comics. D'accord. Oui. Mais du coup, ouais, il a cité beaucoup de méchants de Batman. Mais par exemple, vous voyez, quand j'ai cité Maxi Zeus, personne ne sait qui c'est, à part ceux qui ont bien lu les comics ou ceux qui ont joué au jeu Arkham. Parce que dans les jeux Arkham, il est cité 2-3 fois. Mais j'ai l'impression qu'ils font vraiment. Ils reviennent beaucoup sur des méchants pas super connus en fait dans Arkham d'ailleurs, c'est ça. Mais ils font en sorte de mettre en place des méchants qui sont pas très connus, histoire de les mettre un petit peu plus en avant, genre Dr. Piggy là, ou Professeur Pig Maxi Zeus. Non, pas Maxi Zeus parce qu'il apparaît jamais, Maxi Zeus. D'accord. Mais par exemple, Firefly est pas très connu. Ah, j'ai entendu plusieurs fois son nom, mais je retiens jamais parce que chaque fois ça se mélange avec Firestorm. Non, qui est un héros. Firestorm c'est un héros, Firefly c'est un connard. Alors bon, du coup ma théorie là sur le Viper qui aurait pu être donc un prototype de la drogue de l'Épouvantail aurait pu également fonctionner. Oui, je suis d'accord. Parce que pour le coup en fait, pourquoi j'ai pas misé en fait sur Bane en premier, c'est parce que c'est plus c'est un produit qui est injecté dans le corps, mais bon, vu qu'ils ont expliqué ça, que c'était la première mouture, voilà, donc ça passe. Mais c'est surtout que l'approche réaliste en fait de la série faisait que Bane me semblait être improbable dans leur approche réaliste, et qu'une drogue qui fonctionne sur la peur des gens, parce que des drogues qui fonctionnent sur la peur des gens, ça existe. Bah oui, puisque la peur, ça dépend de plusieurs hormones, etc. Enfin, je veux dire, presque toutes les émotions humaines dépendent d'une ou de plusieurs hormones générées par le cerveau. Donc du coup, ça veut dire que des drogues qui font ressentir une émotion ou une autre, ça existe. Je veux dire, un exemple tout con, le gaz hilarant. Par exemple, oui, où t'as des drogues aussi qui font ressentir un élan amoureux assez violent. Ouais. Du coup, ouais, donc j'ai misé d'abord sur ça, puis en plus le gars, il avait vraiment la tronche là pour faire pour faire Jonathan Crane. Mais bon, c'était pas lui, c'est Venom, c'est Bane. Écoute, pourquoi pas. Moi, je voulais voir Killer Croc, mais une petite référence à Bane. Allez. Killer Croc qui file la drogue épouvantée, ce serait vraiment spé là par contre. Tant que je vois pas en fait Bane dans la série débarquer. Il n'y a pas de raison. Avec ses énormes biscottos et son truc, non. Il n'y a pas de raison puisque Bane apparaît après que Batman soit installé à Gotham. La quasi-totalité des méchants, de toute façon, comme je t'avais dit dans le premier épisode, la quasi-totalité des méchants apparaissent quand Batman est déjà introduit. C'est parce que Batman arrive que les méchants arrivent. Une phrase dans Arkham City.
qui résume très bien le fait que c'est Batman qui engendre toute la merde qu'il y a dans Gotham. C'est « Have you ever considered that all this is your fault? Your presence created these animals. » As-tu déjà considéré que c'est ta présence qui a conçu toute merdier, c'est ta présence qui a créé tous ces animaux. Donc ça veut bien dire quelque chose, c'est Batman qui est responsable de tout le merdier qu'il y a eu. Et il a beaucoup de méchants avec un animal comme thème d'ailleurs. Et si vous avez bien suivi les comics, etc., même de loin, hein, vous le voyez, mais clair et net. C'est-à-dire, avant Batman, il y a juste Falcone, Maroni, la pègre normale, la police qui est corrompue, etc. C'est le merdier. C'est un des premiers héros, c'est en même temps, c'est logique. C'est le merdier, mais ça va. Enfin, c'est le merdier, mais je veux dire, comme à Marseille, quoi. Mmh. Bah, c'est vrai, quoi. Oui, tout le crime du monde n'est pas réuni à New York, contrairement à ce que certains pensent. Je suis désolé, mais moi, quand je vois Marseille à la télé, à chaque fois pour des nouveaux règlements de compte ou des nouveaux mecs qui sont fait tirer dessus dans la rue. Bon, après, faut rendre à César ce qu'il y a à César, c'est des quartiers de Marseille qui sont. Oui, c'est des quartiers de Marseille. Mais, quand même, nous, on a notre Gotham à nous, c'est Marseille. Voilà. Et donc, à partir du moment où Batman arrive, il crée le Joker, dans certaines versions. Mais en tout cas, ce qu'il fait déjà, c'est qu'il instaure une telle... le simple fait qu'il y a un connard qui arrive habillé en chauve-souris et qui fasse peur aux criminels, parce que c'est le but initial, fait que les autres aussi, les illuminés, commencent eux aussi à prendre leur identité à chacun à leur tour. Il leur apparaît. Donc tout ça, en fait, c'est directement lié à Batman. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si Bane apparaît dans la série, ça n'a aucun sens. Voilà. Mais du coup, normalement, il ne devrait pas apparaître dans la série, parce que là, il a en tout et pour tout, quoi, 6 ans, 8 ans? Oui. Maximum 10 ans. D'ailleurs, fun fact, sur Bane, parce que là, on a décidé de faire une aparté sur Bane, alors allez vous faire foutre. Fun fact sur Bane, il a un truc dont il ne se sépare jamais, et qui a un petit peu sa faiblesse à lui, c'est son ours en peluche. Ah oui, c'est vrai! Il a un petit ours en peluche, comme notre Edward Nygma, mais en beaucoup plus petit, dont il ne se sépare jamais. Là, c'est son ours en peluche quand il a pris du Venom, en fait. C'est ça, c'est l'ours en peluche Venom. Donc ça, c'est fait. Ensuite, dans le même épisode, à part le Viper, on a eu quoi d'autre? Catwoman qui continue de casser la gueule à des mecs vachement trop grands pour elle. Ouais, attends, j'ai remarqué, mais Catwoman, on l'a vu, mais elle a servi à rien dans l'épisode. Marcher à quatre pattes sur une voiture. Mais non, mais... Alors oui, d'ailleurs, juste pour mentionner le truc, Catwoman est donc à quatre pattes sur une voiture, il y a un mec à 2 mètres, et il la voit pas descendre, s'approcher, et lui piquer le portefeuille. Mais pas que, genre... Non. Le bruit qu'elle a fait, parce qu'elle a atterri sur la voiture. C'est ça. Spang. C'est ça, c'est le mec, il était... Le mec, c'est lourd. Un écureuil encore, j'imagine. Oui, les écureuils de Gotham pèsent dans les 60 kilos. Mais c'est... Là, vous voyez, quand je vous parlais de trucs qui servent à rien, mais vraiment, là, on a trouvé le paroxysme. C'est une scène qui a été imbriquée dedans, qui ne sert strictement à rien. Je veux dire, Gordon et Bullock auraient très bien pu juste entendre la sonnerie de l'alarme de la boutique, et la boutique. C'est ça. Il n'y avait pas besoin de foutre Catwoman pour dire « Regardez, il y a un chat ». Je veux dire, si c'est pour mettre Catwoman, au moins mettez-la à la présence de Bruce, quoi. Ce serait cool, ça, au moins. Ou alors faites-la voler du lait. Parce qu'apparemment, c'est ce que vous faites depuis le début. C'est ça, oui, tous les criminels volent du lait maintenant. Mais c'est vrai que tous les criminels volent du lait, parce que là, pour. Et au passage, donc, la croyance selon laquelle le lait contient du calcium pour les os, etc., c'est de la connerie. Effectivement, il y a un peu de calcium dedans, mais il y a une quantité tellement infime que ça aiderait absolument pas. Alors que si les mecs avaient attaqué des trucs de fruits secs pour bouffer plein d'amandes, déjà ça aurait aidé un peu plus. Gotham, la série, a commencé en 2014, soit 4 ans après Game of Thrones. Ok, on a mis les bases, hein, déjà. 4 ans après Game of Thrones. Pouvez-vous m'expliquer comment ils sont capables de faire de la CGI aussi laide que ça? Toute la thune est partie dans les salaires des acteurs. Alors que, je suis désolé, mais tu vois, le casting de Game of Thrones est 1000 fois plus important que celui de ouais, Gotham. Je pense qu'ils avaient aussi plus de thunes, non? Enfin, mais je veux dire, ils peuvent s'en procurer de la thune. C'est Warner Bros. Ou alors ils avaient pas un mec aux effets spéciaux aussi compétent que ceux de Game of Thrones. Mais c'est Warner Bros. Qui produit. C'est Warner. Alors, ils ont fait quoi comme film avec des super effets spéciaux, mais vraiment vraiment top, Warner? Batman, déjà, pour commencer. Lequel? Tous. Je sais pas, non, parce que je vois pas d'effets spéciaux vraiment marquants. Suicide Squad. Oh, non, non. Warner. Non, je veux dire, la nana avec un costume comme ça, c'est pas... Harry Potter. Ah, c'est Harry Potter, c'est Warner. Hein. C'est vrai, c'est pour ça que le gaz, c'était très bien fait. L'effet de gaz. Parce que justement, Harry Potter, il y avait plein de sorts avec de la fumée, de la vapeur, etc. Il y a plein de fumée dans Harry Potter.
je trouvais que le et gaz. Et c'est des trucs qui ressemblaient plus à un effet de sort. Bah, l'hyperium dans le set. Je trouvais que le gaz, il était beaucoup plus ressemblant à ce qu'on avait déjà avec le Joker et son gaz hilarant dans le Batman de Burton. Hein. C'est vrai. Ensuite, on a eu Catwoman qui sert à rien, on a eu le Viper, on a eu le Pingouin qui fout encore plus dans la merde notre ami. Qui s'est mis tout seul dans la merde assez joliment, je dois dire. Enfin, depuis le début, on disait qu'il était très malin, on était content de le voir très malin. Et là, il y a eu une balle de scénario de conneries. Et du coup, il s'est dit avec Maroni, mais en fait, Maroni, mais il m'aime bien. Ah bah, je veux lui dire mon vrai nom, je veux lui faire comprendre que je l'ai menti, que je lui ai pris pour un con, que je l'ai complètement baisé depuis le début. Et surtout, et que j'ai travaillé pour le mec d'en face et que je l'ai trahi, le mec d'en face, donc je pourrais très bien te trahir toi aussi. Enfin, qui pourrait mal se passer? Maroni, je le réexprime, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le réexprime, il est cool. Je l'aime bien. Ouais. Je préfère l'avoir lui en patron que Fishmoon, je t'avoue. Hein. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Parce que lui, genre, attends, le mec il te prend un gigot d'agneau comme as, avec le bouffe à main. Oui, il faudra qu'on revoie quand même cette scène pour déterminer qu'est-ce qu'il était en train de bouffer, parce que là, c'est... Alors, on est toujours pas d'accord entre un gigot d'agneau... Et un gros miche de pain, un truc bizarre qui dégouline. Grosse miche de pain, ou un énorme gâteau au chocolat noir. C'est ça. On sait pas toujours qu'est-ce qu'il s'est enfourné, je pense qu'on va aller sur Twitter, on va demander on va poser la question à l'acteur. Et surtout, je me demande... Qu'est-ce que tu t'es enfourné sur cette scène-là? Ah non, mais du coup, Falconet qui a des délires sexuels un peu chelous. C'est ça, mais bon, encore, pourquoi pas. Tu me diras, j'ai l'impression là, que ça va être le cas de tous les personnages, quasiment, d'avoir des délires sexuels chelous. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais comme quoi la meilleure arme pour faire tomber un homme, c'était une femme. Et la série prend un peu ça au pied de la lettre. Bah, c'est pas... La meilleure arme pour faire tomber un homme, c'est une femme. J'ai pas dit que c'était forcément véridique, mais là, en l'occurrence, ça s'y prête. Instant réflexion. Philosophie. Ou un eunuque. Parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'un eunuque veut. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, il a des délires un petit peu chelous, mais du coup, il a mordu à l'hameçon de... Bon, après, je préfère voir Falconet attiré par une femme qui ressemble un peu à sa mère, plutôt que par Catwoman à faire « Putain, j'ai repute !» Je crois que la nana là, en question, là, qu'on appelle Selena Gomez, s'appelle Lisa. J'ai pas entendu son nom. Si, c'était dans l'épisode d'avant. Non, mais je crois que c'était la première qui s'appelait Laïssa. Non, c'était la deuxième. Je l'ai revue en remontant le truc. C'est juste qu'en fait, on a complètement zappé son nom à la Oui, fin. Parce que moi, dès que j'entends Lisa, je pense soit Lisa Simpson, soit Laïssa Harin, mais bon. C'est un mix entre les deux. D'ailleurs, je le trouve, en fait, d'une manière générale, étrangement, je trouve que dans la série, ils ont beaucoup mieux réussi les personnages mafieux que dans la série des films Nolan. Ce qui se tient, puisqu'ils sont... parce qu'en fait, maintenant, ils sont vraiment à l'approche super-héros, là, eux, ils prennent une approche plus réaliste, donc... Quelque part, pas que, tient. Pas que, mais je l'ai trouvé caricaturaux, vraiment, dans le Nolan, genre l'Italien qui... Maroni, il servait à rien, complètement... Falconet, c'était le pire de tous. Falconet, c'était une vraie blague, c'est vrai. Falconet, c'était une méga blague. Maroni... c'était une... Enfin, il avait une tête qui me revenait pas, lui, c'était... Et après t'avais tout le reste là qui servait à rien. Mais ouais non, je trouve qu'ils ont beaucoup mieux réussi. De manière générale, ils réussissent beaucoup mieux leurs personnages et ils les foirent beaucoup plus aussi quand ils les foirent. Oui, j'aimerais juste finir sur un petit coup de gueule vis-à-vis de la bande-annonce de la Justice League. Oh la partie qui n'a rien à voir avec la série. Je sais, enfin juste sur Batman. YOLO. C'est ce coup de gueule là, d'accord, oui. Je partage son avis. En fait, il y a une scène dans la bande-annonce de Justice League où Flash demande un moment à Batman quel est son super-pouvoir et Batman fait quelque chose qu'il n'a jamais dit avant parce qu'il n'aurait juste jamais dû le dire à qui que ce soit. Il dit, rich bitch. Voilà, je suis riche. Non. Déjà ça, pour savoir, le coup de Batman qui dit mon super-pouvoir c'est d'être riche, c'est quelque chose qui vient de plein de parodies, de mèmes, de blagues. C'est surtout l'une des critiques principales des gens qui bâchent Batman en disant que, vu que c'est le fleuron de DC, DC n'a aucune valeur. C'est surtout des gens qui adorent Marvel qui disent ça. Mais que DC n'a aucune valeur parce que le principal super-héros étant Batman, parce que c'est plus Batman que Superman, on va pas mentir. Et Batman n'a pas de pouvoir, donc c'est pas un super-héros. Sauf que Batman a techniquement des pouvoirs. Il est très intelligent, il est... Le mec te bat avant même d'avoir commencé le combat, hein, c'est le principe. Ah, il y a plein d'épisodes comme ça où il bat des vilains qui ont juste rien vu venir jusqu'à la fin et tu te rends compte que bam. Les seuls rares personnages qui connaissent son nom,
sont Alfred, forcément, Barbara Dick Gordon Dickinson. Junior. Oui, bien sûr, parce que c'est pas la mère qui connaît. Hein. Dick Grayson, Les Robins en général, hein. Ouais. Nightwing du coup aussi, puisque voilà, Robin devient Nightwing. Et c'est Mar. À la limite, il y a Catwoman qui sait qui il est. Ouais. Sur certaines versions. Et encore pas toutes les versions. Talia al Ghul sait qui il est. Ouais, parce qu'en même temps, il est entraîné pour être un assassin lui-même. C'est pas parce qu'il est entraîné pour être un assassin, c'est juste qu'il se tape Talia al Ghul. Mais du coup, Ra's al Ghul aussi sait qui c'est. Voilà. Mais lui, il s'en fout, il a pas envie de taper son. Mais je fais la dernière aparté là-dessus. Il y a aussi un autre truc qui me fait bien rigoler, c'est le Joker, qui en a rien à foutre de savoir qui est Batman. Parce que tous les autres méchants veulent savoir qui est Batman, mais le Joker, lui, ne veut pas savoir qui est Batman. Même, il tue les gens qui essaient d'enlever le masque de Batman. Pourquoi ? Parce que ça ruinerait le fun. Tout simplement. Le fait que Batman n'ait pas de pouvoir, c'est quelque chose que, de toute façon, les gens vont voir un moment. Donc ça, c'est quelque chose qu'il peut dire. Mais dire qu'il est riche, c'est une information sur son background, c'est une information personnelle. Et aussi, c'est vraiment de la merde, hein, comme en plus, comme réplique. C'est comme ça. Réplique, c'est vraiment la merde. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire, je suis riche. Non, Batman. Pourquoi pas dire j'ai un super slip sous mon fut. Attends. Mais surtout, ce qui est important, vraiment, Batman, son pouvoir, c'est son intelligence, c'est sa manière de décrypter les choses. Et sa manière de se préparer pour toutes les éventualités. Il est préparé pour toutes les éventualités, sa capacité d'adaptation. Et également, c'est un mec, mais il faut. Le mec, il porte vraiment, c'est le mec qui porte le monde sur ses épaules et il y arrive. Mais enfin, je veux dire, c'est stupide là parce qu'ils ont. Je vais paraphraser le truc de Link the Sun. Marvel a fait film personnage 1, film personnage 2, truc sur les deux personnages. Mm. Là, on a eu Batman, on a eu Superman et là, Justice League. Ok, vous pouvez nous faire un film sur Flash, Wonder Woman. Wonder Woman, ils l'ont fait juste avant, mais. Flash, Aquaman, Cyborg, alors là, rien du tout. C'est vrai que chaque personnage avait été introduit avant, sauf le Troufion là qui se fait tuer dans le premier Avengers. Perso, j'ai jamais su qui c'était, je m'en foutais qu'il était mort, c'est un peu insensible, mais le mec avec ses cartes là. Oui, voilà, exactement. C'est un mec avec des cartes dans le... Attends, oui, il avait des cartes sur les Avengers, en fait, et puis à un moment, il se fait tuer, on leur rapporte les cartes trempées de sang, et les mecs sont... Ah, mais c'est... Oh, on va tellement... C'est l'agent du Shield, là, oui, qui sert à rien. Voilà. Voilà, on va tellement forger ce mec dont je n'ai aucune idée de qui c'était, ça se trouve, c'est un clown pour enfants, et j'en avais aucune idée. En fait, ils ont développé une série par rapport à lui. Je sais, mais perso, j'ai même pas eu envie de regarder. Mais personne n'a eu envie de la regarder, c'est un flop absolu, Agent of Shield. En même temps, je suis désolé, mais vous faites la série sur... Imagine, alors... tu fais une série d'essais sur Alfred. Qu'est-ce que tu veux, tu t'en fous, toi. C'est ça. Alors Alfred, non, aujourd'hui, a cuit un poulet rôti pour Bruce Wayne, qui ne mangera pas, comme d'habitude. Alors, je pense que ça se voit, personnellement, je suis beaucoup plus DC que Marvel, mais je ne dédaigne pas Marvel pour autant. Il y a beaucoup d'éléments que je trouve vachement cool dans l'univers Marvel, mais je trouve beaucoup d'éléments, en fait, beaucoup plus classe dans les comics que dans les films pour l'instant. Enfin, j'aime bien la plupart des films Marvel, mais j'aime beaucoup plus les comics, je trouve. Alors, notamment, un bon exemple, Civil War. J'ai beaucoup aimé le film, mais putain, le comics, faut le lire. C'est un cas d'école, le Civil War dans le bouquin. Alors, si on s'attaque à Civil War, le film... Non, on va mettre fin à la vidéo, parce que là, on a beaucoup trop duré. On va faire des débats de 3h30, je vous le dis direct. Moi, je tiens juste à rebondir sur ce que dit mon ami Carbung, parce qu'il a donné sa version des faits, je donne la mienne. Je suis également de la team DC, mais à 100%. Je ne... déteste pas Marvel totalement non plus, ils ont des bons trucs de temps en temps quand c'est pas copié sur DC, parce qu'il faut quand même avouer, le pompage DC a été quand même extrêmement violent chez Marvel. Hein. Ils ont le temps de le différencier un petit peu au fur et à mesure, mais bon. Donc oui, donc sur Civil War, tu voulais dire ? Ah, c'est de la merde. C'était gentil. Le film, c'est de la merde, et le comic, c'est génial. Merci. Non, le comic, c'est génial, et c'est pour ça que le film, c'est de la merde, parce que le film n'a rien à voir avec le comics, alors c'est... Civil War, en fait, véritablement, c'est quelque chose, au niveau des comics, au niveau de l'importance du comics, c'est un comics aussi important que Killing Joke, qui est un comics important dans l'univers Batman. C'est un pilier, ce truc. Voilà. Un motherfucking pilier. Ils l'ont chié, mais comme une vieille merde. Après, ils n'avaient pas introduit le dixième des héros qu'il y a dans le comics Civil War. Certes, ils n'ont pas introduit le dixième des héros qu'il y a dans Civil War, mais ils auraient pu garder le même état d'esprit, la même idée. J'avoue, à la place de l'autre qui meurt, à la place d'Ant-Man, ça aurait été rigolo. Enfin, je veux dire,
Et puis franchement, enfin, je veux dire, pour moi, Civil War, ils auraient dû le garder limite pour le truc de fin, quoi. J'avoue. Mais vraiment beaucoup plus tard que ça. Bon, après, il y a aussi 4 ou 5 apocalypses dans l'univers Marvel, je pense qu'ils auront de quoi finir. Ouais, mais non, je pense que c'est quand même venu un peu trop tôt. Mais, donc tout ça pour dire que du coup, je suis plus Team DC que Team Marvel. Bien que Marvel ait de temps en temps d'excellentes idées, comme Civil War, mais DC a des personnages qui sont beaucoup plus, je trouve, dark et construit, tandis que Marvel c'est un petit peu regardez on la a du vert, du rouge, du bleu, du... En fait justement, ironiquement parmi les meilleurs comics de Marvel c'est ceux justement où ça foisonne de super-héros en tout genre et où c'est là qu'il y a des vraies questions qui se posent en et fait. Aussi que c'est extrêmement dark, il faut quand même avouer que Civil War a un fond extrêmement noir, extrêmement sombre. Ah non mais il y a des comics Marvel où c'est la fin des violent. Héros, c'est techniquement la fin des héros, c'est ça. Comme Ragnarok l'est pour Thor. D'ailleurs, petite hype pour... très petite hein. Pour Ragnarok, parce qu'on va avouer un truc, c'est le dernier détail. Après, je pense qu'on va arrêter cet aparté de 5h30. Dernier détail de cet aparté, il y a beaucoup trop de films de super-héros en ce moment. Mais vraiment beaucoup trop. Mmh. Genre, la quasi-totalité des films importants qui sont sortis cette année, c'est des films de super-héros et ça s'en ressent parce que quand vous regardez les chiffres, si vous êtes un petit peu curieux, si vous regardez les chiffres des entrées au cinéma pour les films de super-héros, vous voyez que ça fait une chute libre depuis 2 ans, mais violente, parce que les gens en ont ras le cul de voir des films de super-héros. Donc je pense qu'il faudrait peut-être arrêter et commencer une nouvelle mode. On se retrouve la semaine prochaine pour Spirit of the Goat. D'ici là, on vous dit portez-vous bien. Manger du chocolat la nuit. C'est ça, ça aide à être amoureux. Ça aide à être amoureux et l'amour. L'amour, c'est comme le chocolat. C'est bon. On sait jamais sur quoi on va tomber. Non, l'amour, c'est comme le chocolat. Chaque fois, tu tombes sur le dégueulasse avec la colle dedans. Ah. Enfin, pour terminer, donc n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et merci à tous les abonnés qui sont venus récemment sur la chaîne. Parce qu'on a eu un petit boom d'abonnés là. Et c'était vachement cool. Ça fait très plaisir. Et n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les commentaires. Laissez-nous des commentaires sur les vidéos pour nous dire si vous aimez ou si vous aimez pas. Parce que nous... après, on peut pas savoir. On les lit et si vous embêtez pas, on peut pas savoir si vous aimez ou si vous aimez pas, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Donc bref, faut que j'arrête ces phrases où je comprends pas mon souffle. Mmh. Et donc, abonnez-vous et à la prochaine. Salut tout le monde. Dis au revoir. Salut.